Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture. Alors, je vous avais dit que j'avais encore des livres de Noël à vous présenter. J'en ai bouffé, hein. Vous pouvez le voir. Et il y en a encore trois. Il n'y a pas que ça dans cette vidéo, je vous rassure. Donc, c'est que en français aujourd'hui. Content, pas de lecture VO. La semaine prochaine, oui, désolée. Mais pour l'heure, j'ai lu en numérique et en papier. Noël, avalanche et hésitation de Rose Mia. Je me rappelle que j'ai beaucoup aimé. Là donc, on avait Lila et Mathieu, c'est ça. Alors, l'histoire, c'est dans une station de ski. Je ne sais plus où, tout ça, on s'en fiche quoi. Mais il y a donc une jeune femme qui travaille dans une espèce de supérette, mais genre en hauteur de la montagne. C'est une supérette, j'allais dire du quartier, mais non, enfin c'est la supérette de la station, quoi, on va dire. Et elle est à l'écart de la ville, quoi. C'est, enfin l'écart du petit village en bas, du petit centre-ville. Elle ferme un peu plus tard. Et là, c'est donc le jour du réveillon. Lila, elle est en train de travailler. Réellement, elle en a marre, quoi. Elle a hâte que ça se termine et tout ça. Mais il y a un dernier client qui débarque juste au moment où elle veut fermer. Et c'est donc Mathieu. Alors, Mathieu, c'est un docteur. Il débarque dans cette ville. Il connaît cette ville. Je crois qu'il est né dans cette ville. Bon, en tout cas, enfant, il y a vécu. Il a vécu même une tragédie dans cette ville. C'est pour ça qu'il n'y a pas mis les pieds pendant très longtemps. Et c'est le genre de type qui ne se fixe nulle part. C'est un médecin qui se fait muter à chaque fois. Il change d'hôpital tout le temps. Mais là, il a voulu revenir dans cette ville. Donc, il s'est fait muter dans l'hôpital. Et ce jour-là, il doit aller travailler. Mais il veut s'acheter de l'alcool. Il a des problèmes, hein, problèmes d'anxiété et tout. Justement à cause des tragédies qu'il a vécues plusieurs années auparavant. Donc, il n'y a que le magasin de Lila qui est ouvert. Donc, il va pour s'acheter à boire. Et il est donc son dernier client. Et là, avalanche. Mais genre avalanche terrifiante, quoi. L'avalanche du film catastrophe, quoi. Quasiment la moitié du magasin est rasée. Ils ont tout juste le temps d'aller s'abriter dans un petit coin pour éviter de se prendre le plafond sur la tête. Et ils vont aller se réfugier dans une... C'est une espèce de salle de repos du magasin. C'est comme un genre d'extension. C'est un peu plus récent. Du coup, c'est quasiment la seule pièce intacte. Il y a juste un petit trou au plafond. Mais un petit trou qui va faire que... c'est précaire comme situation, quoi. Parce qu'il caille. Et il n'y a personne qui peut les secourir pour le moment. Parce que l'avalanche... bon, là, il n'y a que le magasin. Mais en bas, les habitations, la ville, tout ça, il y a eu des gens qui ont malheureusement pris cher. Donc les secours vont se concentrer sur les autres habitants. Et eux, comme ils ne sont pas blessés ni rien, bah, ils doivent attendre. De prime abord, quand ils se voient, le courant passe pas tellement parce que Lila, elle est pressée. Elle veut fêter Noël avec sa mère, son père et sa sœur. C'est genre sa vie, Noël avec sa famille, c'est très précieux. Lui déjà, il a débarqué juste une minute avant qu'elle ferme, ça l'a gonflé. Donc elle se dit, mais s'il n'était pas venu, je serais partie et je serais pas dans cette galère, quoi. Donc concrètement, c'est de sa faute. Lui, bon bah oui, c'est de sa faute et tout, mais comme lui aussi, il n'est pas bien dans sa tête, bon, il est agacé. Et ils vont donc être coincés ensemble. Et finalement, ils vont discuter, ils vont un petit peu s'apprivoiser et... Voilà, je ne sais pas si c'est la situation de survie, je pense que oui, mais qui fait qu'ils vont en fait très vite se rapprocher. Déjà une catastrophe pareille. Lui, c'est quand même un type, même s'il est un peu bourru, pas bien tout ça, il va prendre soin d'elle, quoi. Premier réflexe, dès qu'il y a eu l'avalanche, il l'a pris avec lui, il l'a protégé, quoi. Donc déjà, ça rapproche. Après, elle va se péter la cheville et tout, il va s'occuper d'elle vu qu'il est médecin. Donc... Voilà, quand même, ça va les rapprocher, cette catastrophe, jusqu'à ce qu'on vienne les secourir. Et là, elle veut le revoir, mais lui, c'est « ciao, au revoir ». Ah bon ? Non, mais non, c'est bon, moi, je veux rien du tout, je suis un solitaire et tout. Bref, il veut pas lui parler de ses traumas, tout ce qui va pas chez lui.
Donc, ciao, au revoir. Ah, sauf que lui, là, non, ça se passe pas comme ça. En plus, elle est dans une relation, mais oh là là, elle est avec un type, plus ou moins. Franchement, lisez-le, parce qu'il est quand même sympa, je trouve. Il se démarque du lot hein, par rapport aux autres, pour moi. Enfin, aux autres des semaines précédentes. Hein. Je l'ai vraiment apprécié parce qu'il est vraiment en deux parties. Hein. Il y a vraiment la partie avec l'avalanche et l'après. Donc, elle, sa relation, elle est merdique. Elle le comprend, hein, qu'il n'y a rien à espérer avec le gars avec qui elle est. Et lui, elle a eu un aperçu cette nuit-là de l'homme qu'il est. Donc, elle veut en découvrir plus, quoi. Comment ça tu te rétractes, tu te braques et tout. Non. Moi, j'ai entreaperçu des choses. Je veux te connaître. Et du coup, c'est trop mignon comment elle va vraiment... Elle va y aller, quoi. Elle va aller le chercher. Elle va lui faire même du chantage pour qu'il accepte d'avoir un date avec elle. Et elle a raison, parce qu'avec lui, c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Il est tellement... c'est comme un escargot, vous savez. Genre, vous touchez aux antennes, ça se rétracte. Lui, il est exactement pareil. Et elle le comprend très bien. Du coup, elle va pas lâcher l'affaire. Mais lui, parfois, il a des pétages de plomb parce qu'il a des traumas. Attention, hein, il la frappe pas, il n'y a pas de violence du tout. Hein. Mais comme il a, je vous dis, des traumas, hein, crise d'angoisse violente, hein, bah, y a des trucs qui le trigger. Et comme il veut pas en parler, il veut pas le montrer, bah, des fois, il va réagir. Des trucs qui vont le trigger quoi, sous ses yeux à elle. Elle va se dire, wow, qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens fou, qu'est-ce qu'il y a? Et elle va se rendre compte que non, c'est juste qu'un truc là qui l'a fait switcher et il n'est pas bien, quoi. Donc ça aussi, elle va le comprendre, elle va essayer de le rassurer et tout, mais il est bourré d'insécurité. Et même si quelque part, en plus c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que c'est le médecin, mais tatoué, musclé, et pourtant il a beaucoup de fragilité. Donc voilà, c'est pas juste le tatoué, musclé, gros bras, etc. Non, il a beaucoup plus de nuances, beaucoup plus de couleurs, ce personnage. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé ce roman. C'était un très très bon moment. J'ai bien aimé Lila. Pour une fois, c'est pas un personnage féminin qui s'écrase trop. Elle est dans une situation merdique, hein. Mais quand il faut se relever, parce qu'au début, quand j'ai lu dans quoi elle était, sa relation avec l'autre, là, je me suis dit, mais oh non, pitié, pas encore un personnage féminin qui fait rien, qui fait du caca, qui se laisse comme ça, qui est soumise. Et après, quand je vois qu'elle s'accrochait un peu à Matthew, je me dis « Oh non, vas-y, là, ça devient pathétique. » Mais en fait, non. En fait, au fil du roman, on comprend la psychologie du personnage. Et du coup, j'ai fini par l'apprécier parce que je me dis « Ah ouais, non, en fait, c'est juste qu'elle est têtue. » Quand elle a une idée derrière la tête, elle ne lâche pas le morceau. Mais par contre, elle sait raisonner. Et quand elle se dit « Là, ça, non, c'est fini, c'est mort. » Elle s'y tient. Voilà, donc j'ai eu peur, mais non, personnage féminin intéressant. Donc voilà, bonne petite romance de Noël. J'ai bien aimé en fait le concept catastrophe au début. Je vous dis, il y a vraiment deux salles, deux ambiances dans ce roman. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, en tout cas je vous le recommande celui-là chaudement. Ensuite, j'en ai lu un autre. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que je m'en souviens pas du tout? C'est « Cher Père Noël, je voudrais un mec » de Caro Emeline. Ah si, ça y est, ça me revient. Ça me revient, mais alors ouf, c'est compliqué, hein, parce que j'en ai tellement lu des romances de Noël, là, en peu de temps, que tout se mélange dans mon cerveau. Et là, on est avec une jeune femme qui s'appelle Ali, qui bosse dans une boîte et son patron, c'est Evan Sanders. Je crois qu'elle est remplaçante. Elle remplace une femme qui est... je ne sais pas si elle est en congé mater ou si elle est en congé maladie, mais elle remplace l'assistante personnelle d'Evan Sanders. Je crois bien que c'est ça. Et du coup, elle veut faire ses preuves hein, en peu de temps qu'elle a. Et justement, ce patron-là, Evan, il me semble hein, qu'il prépare un événement pour Noël. Elle veut qu'on lui confie l'événement pour faire ses preuves et tout. Et au début, elle croit que son patron ne l'aime pas, quoi. Il est un peu froid avec elle. Bon, on se doute bien qu'il la kiffe, hein, on a compris. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, ça commence, le début, elle a sa meilleure amie qui fait des études de psychologie.
Du coup, elle lui donne toujours des conseils de merde. Excusez-moi, hein, mais elle lui dit genre, quand t'as un truc à dire, tout ça, écris une lettre et puis après tu me l'envoies par mail, tu vides ton sac et tout. Mais voilà, si t'as des choses sur le cœur qui te pèsent, écris-les et tu me l'envoies. Et après, on en discute toutes les deux et tout. En gros, elle fait son cobaye d'analyse, quoi. Et là, justement, Ali, elle a pas mal de choses à dire. Elle veut faire sa lettre au Père Noël. C'est son ami encore qui lui a conseillé ça. Tu marques tout ce que t'aimerais. Père Noël, on sait qu'il n'existe pas. Mais si t'avais des souhaits à formuler, des choses que t'aimerais changer dans ta vie et tout, écris une lettre au Père Noël et tu me l'envoies. Donc, elle va effectivement écrire une lettre au Père Noël, bien salée, bien corsée, en disant si on pouvait retirer le bâton que mon patron a dans le derrière, ça serait sympa. Il a beau être beau gosse, mais quand même, c'est un coincé du derche. J'aimerais également avoir un mec. J'aimerais, oui, parce qu'elle n'a pas de mec, elle en a marre. J'aimerais avoir un abonnement dans un spa. J'aimerais avoir un bon d'achat dans un magasin de lingerie, etc. Bref. Elle écrit donc sa lettre et elle se plante. Au lieu de l'envoyer à sa meilleure amie, elle l'envoie à son boss. Elle va tout faire pour effacer le mail. Elle va y arriver. Sauf que suite à ça, tout ce qu'elle a écrit au Père Noël, toutes ses demandes, tous ses souhaits vont se réaliser petit à petit. Et entre-temps, comme elle va du coup organiser un événement avec son patron pour Noël, eh bien, ils vont se rapprocher et en fait, il va se passer des trucs entre eux, parallèlement à cette liste de vœux qui s'exauce. Voilà, voilà. Donc, écoutez, là, pour le coup, ça casse pas trois pattes à un canard, mais toutefois, j'ai passé un très, très bon moment. Meilleur moment que les romances de Noël que je vous ai présentées la semaine dernière. Donc, voilà, j'avais oublié, mais là, en vous en reparlant, il y a des scènes qui me reviennent et je me dis, ouais, c'était pas exceptionnel, mais j'ai kiffé. Je me rappelle de certaines choses et j'ai beaucoup aimé la dynamique entre les deux, entre Evan et Ali. Et du coup, celui-là, j'avais pris sur la Kindle. Bah, je pense que l'an prochain, je me le relirai parce que je sais que je vais l'oublier. Mais en tous les cas, bah, j'avais mis 4 étoiles. Donc oui, c'est que j'ai bien aimé. Donc ouais, lui, il était très sympa. Et un que j'ai beaucoup aimé à tel point que je l'ai acheté en papier. Je l'avais lu sur la Kindle, mais je l'ai acheté en papier finalement. C'est celui-ci. C'est mon boss. Alors attention, le titre est loin. Mon boss, sa famille cinglée, mon Noël pourri et moi. De Lille Evans. T'as été mon chouchou. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà ? C'est Sienna. C'est encore une histoire avec un patron. Oui, c'est ça. Alors, Sienna... L'histoire commence, elle passe un entretien d'embauche et ça fait un bail qu'elle est au chômage, ça l'a traumatisée d'être au chômage aussi longtemps. Du coup, là, elle passe un entretien dans une grande boîte et le patron s'appelle Nox et coup de foudre au premier regard, hein. Là, c'est lui qui tombe amoureux le premier. Et lui, il va pas bien, il y a des problèmes aussi très, très sombres. Très impulsif, très torturé. Et elle, tout l'inverse. Elle, c'est la fille qui adore Noël. C'est le petit lutin, quoi. C'est le petit rayon de soleil, quoi. C'est une licorne, la fille. Donc déjà, elle débarque dans sa boîte telle une tornade. Et il va l'embaucher. À un moment donné, il se dit, je suis un peu con. Je l'embauche alors qu'elle me plaît. Du coup, je me laisse la tentation là sous le nez tous les jours, alors que non, je peux rien faire avec elle, quoi. C'est alors, je crois qu'elle devient son associée. Non, non, elle travaille pour lui, pas avec lui, pour lui. J'ai adoré la dynamique. On est vraiment avec un gars très sombre, toujours pareil, très sombre, et la fille très solaire. Mais lui m'a beaucoup touchée, Nox. À un moment donné, ils partent. Il lui demande si elle peut venir avec lui dans sa famille. Encore le schéma. On va y arriver. Du faux couple. C'est la même histoire que beaucoup d'autres que j'ai lues. Hein. Toujours, ils vont dans la famille qui est en dehors de la ville. Le cadre est idyllique, c'est une petite ville, etc. C'est trop bien. Mais là-dedans,
c'est que je me suis claqué des barres. Je me dis, c'est pas possible que l'autrice soit partie aussi loin. C'est que Siana, elle est d'origine, elle est pas mexicaine. Je crois qu'elle est portoricaine. Et quand Nox lui demande donc de se faire passer pour sa copine, il lui dit, par contre, je te préviens, ma grand-mère, parce que c'est la grand-mère qui les accueille, il n'y a pas la mère. Je crois que la mère est décédée. Ou elle a foutu le camp il y a longtemps. Bref, il y aura son frère à lui, son père avec sa nouvelle épouse qui est beaucoup plus jeune, la grand-mère et son neveu qui est handicapé. Dis, je te préviens, ma grand-mère est raciste. Ah d'accord, oui, fais pas attention. Et effectivement, la grand-mère, c'est une raciste. Mais il faut voir les trucs qu'elle sort. Déjà, elle ne l'appelle pas par son prénom, elle l'appelle Maria. Elle n'arrête pas de faire des allusions au fait qu'elle soit mexicaine, alors que non, elle lui répète qu'elle est portoricaine. Son propre fils, hein, donc, qui a épousé une femme plus jeune, a dit « Bon, bah, je vous présente mon fils le pédophile. » elle est d'un sans-filtre, la grand-mère. Mais le seul qui est épargné, c'est son petit-fils, parce qu'il est handicapé. Mais du coup, c'est trop, parce qu'elle le couve. Et justement, Siana va tout de suite développer un lien très fort avec l'enfant, parce qu'elle ne veut pas le traiter comme un handicapé, quoi. Oui, il est en fauteuil, et alors c'est bon, quoi. Ça reste un enfant comme les autres. Juste, il est différent, mais il faut arrêter de le couconner, de le bichonner, de céder à tous ses caprices. Non. Donc, elle va retourner la baraque. Elle va dire ses quatre vérités à tout le monde, parce qu'elle n'a aucun filtre. Elle va se clasher avec le frère de Nox, mais j'étais morte de rire. Il n'y a qu'avec le père qu'elle s'entend bien, même si on ne les voit pas souvent. Mais la grand-mère, elle l'appelle Belzébuth, parce que donc, l'autre l'appelle Maria, donc elle lui dit « Ah, Belzébuth, ça vous va bien ?» Donc, ouais, Belzébuth, Satan, des fois, mamie, mémé, elle l'appelle. J'ai adoré comment elle fait fermer son clapet à la grand-mère, qui, finalement, à la fin du roman, on se rend compte, bah, elle finit par l'aimer, quoi, parce que justement, elle lui répond, elle a du répondant. Et du coup, c'était ma famille de cinglés, sa famille, elle est cinglée à Nox. Du coup, des barres de rire, j'en pouvais plus. Des sorties, des répliques qu'il y a entre elle et la grand-mère. Oh, c'était trop bon. C'était trop bon. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup aimé aussi la relation, la romance entre Nox et Siana, parce qu'elle n'est pas évidente. Et des fois, le mec, il pète des plombs. C'est un peu violent, quoi. Calme-toi. Il se calme au final après. Mais ouais, des fois, il a des réactions un peu... Mais voilà, j'aime bien ce côté sanguin chez lui. J'ai adoré, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que j'ai rigolé et en même temps j'ai kiffé la romance. Donc ça a été mon chouchou de cet hiver. Maintenant, passons aux choses sérieuses, parce que ça fait longtemps que je les ai. La série Twisted, je les ai achetées, l'année dernière, oui. Mais quand, je ne sais plus, mais il y a un bail, j'ai acheté les 4 en anglais. Je ne les avais toujours pas lus. Là, ils sortent en français, que voulez-vous ? Je me suis fait avoir, c'est pas grave. Mais du coup, je me suis dit, bah, je peux enfin les lire et donner mon avis à vous. Vous donner mon avis, et sans que vous soyez frustrés, parce que du coup, ils sortent en français. Donc, il y a les 2 premiers tomes pour l'instant qui sont sortis, et c'est les 2 que j'ai lus. Alors, le premier, c'est très très connu, hein, cette saga aux States, tout le monde en parle. Donc, c'est de Anna Wang. Tome 1, Twisted Love. On est avec Alex Volkov et Ava Chen. Alors, Ava Chen, elle est étudiante en photographie. Et Alex Volkov, c'est le meilleur ami de son frère. Et son frère, Josh, si mes souvenirs sont bons, ce sera le tome 3 avec lui. Josh, il est étudiant en médecine. Et il vit dans une petite maison, quoi, juste à côté de sa sœur. Elle a sa coloc avec elle. Et en fait, Josh va partir, alors je crois qu'il fait 1 an d'internat en Amérique centrale. Du coup, il demande à Alex de surveiller sa sœur le temps qu'il ne sera pas là. Elle est un peu plus jeune. Donc, bah, pas un peu plus jeune, même elle est... elle a plusieurs années de moins. Hein. Je ne sais plus combien. Mais oui, elle est plus jeune. Je crois qu'il y a 4-5 ans d'écart, à peu près, un truc comme ça. Et du coup, il demande donc à Alex de surveiller sa sœur. Alex, au début, ça le gonfle. Lui, comment vous dire, c'est un gars qui a un QI supérieur à la moyenne. Je ne sais pas de combien son QI est élevé, je ne me souviens plus, mais genre, c'est une grosse tête. Il est à la tête d'une entreprise, oui déjà,
Et il pèse des millions, des millions et des millions. Et en fait, il a été recueilli par son oncle, c'est des Russes, parce que toute sa famille, Alex, est morte sous ses yeux, a été tuée sous ses yeux, donc ses parents et sa petite sœur. Et lui, il a une particularité, au-delà de son QI extraordinaire, c'est qu'il a une mémoire, c'est pas une mémoire photographique à ce point-là, c'est que tout est imprimé dans sa tête. Donc il peut revivre les scènes d'il y a des années, comme si elles se déroulaient à nouveau devant ses yeux. Chaque mot, chaque son, chaque odeur, tout est imprimé dans sa tête. Et du coup, ça le perturbe énormément. Donc, il a, beaucoup de démons en lui, quoi. Donc, il est perturbé, le garçon. Et il recherche les assassins de ses parents, tout en dirigeant son entreprise. Donc, le mec, il dort pas. Hein. Il dort une heure ou deux par nuit. Bref. Et du coup, il rigole pas du tout. Il a pas le temps. Il ne sourit jamais. Il est trop hanté. Voilà. Donc, ça le gonfle de surveiller Ava. Mais comme c'est la petite sœur de son meilleur ami, il accepte, et il accepte un peu trop d'ailleurs, c'est qu'il va prendre cette mission comme tout ce qu'il fait, hein, d'ailleurs, très à cœur. Donc carrément, il va emménager dans la petite maison de Josh, qui est donc juste à côté de Ava, et elle doit lui rendre des comptes tout le temps, elle doit lui dire tout le temps où elle va, ce qu'elle fait, elle doit être joignable. Il lui dit d'entrée de jeu, hein, quand je t'appelle, tu réponds, quand je t'envoie un texto, tu réponds, tu me réponds pas une heure après, tu me réponds tout de suite. Et elle va très vite le voir, c'est que dès qu'elle ne répond pas, en effet, le mec il devient fou. Et inspecteur quoi, il cherche partout, en plus il a des connexions partout le gars, qui recherche la jeune fille partout. Un jour, il découvre qu'elle est en train de faire un shooting olé olé, mais c'est elle le modèle. Il pète un plomb, il pète la caméra, bref, il fait un scandale. Et voilà, il est un peu particulier, Alex. Et Ava, on a compris, hein, il va se passer une romance entre eux. Ça va prendre un peu de temps. Et Ava, en fait, au début, elle ne le supporte pas. Mais après, elle va se dire, bon, allez, je vois quand même que c'est pour mon bien, je vois que le gars, il y a quelque chose qui va pas trop, donc je vais essayer d'apaiser les choses entre nous deux, et peut-être qu'il me lâchera un peu plus la bride, et voilà. Et puis surtout, il lui plaît, même si il finit par lui plaire. Enfin du moins, quand elle arrive un peu à le dérider, il y a quelqu'un qui arrive en fait à le dérider, ce qu'elle voit lui plaît. Donc ils vont développer une romance, en se disant, mince, le grand frère, quand il va l'apprendre, comment ça va se passer. Mais comme je vous dis, il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a la romance, mais derrière, il y a deux autres storylines qui finalement sont en connexion, on va dire. Donc Alex recherche les meurtriers de ses parents et Ava, de son côté, va découvrir des choses sur son père. Et au final, tout le bordel est lié. J'en dis pas plus, mais je peux vous dire que c'est pas la romance que j'ai préférée. J'étais déçue. On en parlait tellement que je me suis dit, sans plus. Mais par contre, le tome 2, oh là 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 là, oh non. Rice Larsen, ah c'est bon, c'est devenu un de mes book boyfriends préférés. Il a rejoint Zaid Meadows dans les étoiles, quoi. Tout ça, c'est le même groupe. Hein. Il y a Ava, elle est amie avec trois autres filles. Donc, c'est chacune des filles qu'on va voir leur histoire dans les tomes. Donc là, c'est Twisted Games. C'est avec, comment elle s'appelle déjà ? Bridget. Bridget, c'est une princesse. C'est une princesse d'un royaume en Europe. Mais elle s'en fout, elle ne veut pas être princesse. Donc, elle est aux States hein, avec donc, ses copines, Ava, etc. Et la royauté, de toute façon, elle n'est pas destinée au trône, c'est son frère qui est destiné au trône. Donc elle s'en fout. Donc elle vit sa vie d'étudiante normale aux States, sauf qu'elle a toujours un garde du corps avec elle. Et là, son garde du corps, qui la suit depuis 4 ans, bien, il la quitte parce qu'il vient de devenir papa, donc il veut s'occuper de son enfant et retourner au pays. Du coup, on lui assigne un nouveau garde du corps. Déjà, on voit l'introduction dans ce tome 1. Et c'est donc Rice Larsen. Oh, mon Dieu. J'ai tellement aimé. Alors là, j'ai mis 5 étoiles, hein, obligé. Comment vous dire ? Il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Pourtant, il n'est pas si gros que ça, mais il se passe plein de trucs. On va voir déjà. Et puis, c'est sur longtemps, hein, sur plusieurs années, du coup. Sur 4 ans, il me semble, 3-4 ans. Bridget.
Au début, avec Rice, ça le fait pas du tout. Déjà, elle est vénère que son garde du corps qu'elle adorait soit parti. Et lui, trop... comment dire ? Il lui interdit trop de trucs, quoi. Genre, tout est un danger. Elle, c'est une fille qui aime aller à des festivals de musique, qui aime sortir, tout ça. Lui, non, ça va jamais. Là, c'est pas assez sécurisé. Là, il n'y a pas assez de sécurité. Là, il y a trop de gens et tout. Enfin, bref, il y a toujours un truc qui va pas. Du coup, il la laisse pas forcément faire ce qu'elle veut, quoi. Donc, ça clash souvent entre eux. Donc là, ils vont finalement réussir par trouver un terrain d'entente, on va dire, et la relation va couler. Donc c'est qu'une fois qu'ils vont trouver un terrain d'entente que là, l'attirance va vraiment prendre sa place. Mais Rice ne peut rien faire avec elle. Enfin, c'est sa cliente. Pour lui, c'est quand même un code d'honneur, quoi. On ne couche pas avec une cliente. Et elle, c'est une princesse. Enfin, c'est pas trop possible parce que, finalement, son frère, Abridget, renonce au trône. Il veut se marier avec une hôtesse de l'air. Et en fait, c'est pas compatible. Dans son royaume à elle, dans son pays, on doit se marier avec des nobles et pas avec des gens lambda. Donc, son frère, il a donc renoncé au trône. Donc, c'est Bridget qui va devenir reine. Et là, fin de la liberté. Donc, elle va très, très mal le vivre. Elle va devoir retourner dans son pays natal, apprendre tout ce qu'elle aurait dû apprendre depuis toujours, mais qu'elle avait laissé tout ça à son frère. Et apprendre à gouverner, quoi. Son grand-père, il se fait vieux. Donc, les parents sont morts. Et entre-temps, elle tombe folle amoureuse de Rice. Et lui, pareil. Donc, c'est amour interdit. Il faut qu'il se cache. Il faut que personne le sache. Et entre-temps, on va lui faire comprendre que, ouais, tu vas être reine, mais il faut aussi que tu te maries pour qu'on te prenne au sérieux. Ah bon ? Oui, oui. Donc, il faut que tu trouves un prince ou un duc, un comte, peu importe quoi. Donc, elle va carrément avoir des rencarts arrangés sous les yeux de Rice et qui va du coup péter un plomb. Et ah, c'était trop bien. Oh, les scènes, les crises de jalousie à des moments, c'est Rice, il m'a fait rire. Et oh, Rice, il est chaud. Les scènes olé olé avec Bridget. Là, c'était gentil, hein. Rien du tout. Mais alors là, oh, c'est un autre niveau. C'est... Oh, ils m'ont donné très chaud. Rice, mon bébé, mon bibou. Je les kiffe. Il se passe, comme je vous dis, plein de choses. Donc, on les voit au début aux States. Ça dure des années hein, sans qu'il se passe rien entre eux. Après, bam, le frère qui renonce au trône. Du coup, c'est elle qui doit y aller. On va voir du coup comment ça se passe au palais. Les bâtons dans les roues qu'on va lui mettre par rapport à son ascension vers le trône. Enfin, plein de choses quoi. Sa relation secrète avec Rice. Comment lui après va le vivre. Bah, on peut rien faire. Du coup, on se sépare. Donc, ils vont. À un moment donné, il va y avoir une séparation. Et oh, j'avais mal pour eux, et même après quand ils se revoient et tout. Enfin là, je vous spoile rien, parce que si vous saviez tout ce qui se passe. Mais c'est, oh, c'était dur et c'était beau. J'ai trop aimé celui-là, c'est mon chéri. Et il y a d'ailleurs un personnage qui nous est introduit là-dedans, le patron de Rice, et ce sera le tome 4 avec lui. J'ai hâte. Je suis pas très emballée par le tome 3, hein, parce que les personnages, je sais que ça va être un enemies to lovers. C'est entre Josh et Jules. Ouais, je sais pas. Par contre, Stella et Christian, ouais, je veux voir ça, quoi. Mais alors, franchement, celui-là, coup de cœur de l'année. Coup de cœur de l'année. J'en ai d'autres, des coups de cœur déjà. Là, j'enchaîne. J'ai que tes coups de cœur. Je vous en reparle la semaine prochaine. J'ai commencé celui-là, donc ouais, le soir du 31. Et ouais, je l'ai lu en 2-3 jours. Ça a été mon premier coup de cœur du coup de l'année. Premier bouquin de l'année, premier coup de cœur. Je suis trop contente. Voilà les amis. Mais écoutez, sur ce, je vous laisse. Donc encore une fois, hein, ils sont sortis en français. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao.